Les Turbo 24 sont des produits à effet de levier disposant d'une barrière de désactivation et sont négociables 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Produits listés et réglementés, ils sont proposés par l'émetteur Redius et cotent sur le MTF pour Multilateral Trading Facilities Spectrum, place de marché alternative européenne réglementée et basée en Allemagne. Le Turbo 24 vous permet d'investir à la hausse ou à la baisse sur différents marchés comme les indices ou les matières premières. Investir sur un Turbo 24, c'est investir sur une partie du prix du sous-jacent et le reste est financé par l'émetteur. Si votre sous-jacent cote 50 et que votre Turbo cote 2, vous n'investissez que 2 et l'émetteur finance le reste, soit 48. L'effet de levier est donc ici de 25. Pourquoi 25? Car la valeur globale du sous-jacent, 50, est divisée par le montant que vous investissez, soit ici 2. Donc avec 2 euros investis, je peux détenir une position qui en vaut 25 fois plus. L'effet de levier agit directement sur la performance de votre turbo. Pour rappel, un effet de levier, c'est prendre position en ne mobilisant qu'une partie de l'investissement global. Reprenons notre exemple, si notre sous-jacent prend 2% et passe de 50 à 51, le prix du financement reste inchangé et votre turbo passe de 2 à 3 euros, soit une hausse de 50%. Gardez en tête que l'investissement sur turbo comporte des risques, car si le sous-jacent évolue dans le mauvais sens, ceci impactera en priorité le prix de votre turbo 24. Une baisse de 2% avec un levier de 25 fera baisser la valeur de votre turbo de 50%, de 2 euros à 1 euro. On l'appelle également strike ou knockout. Elle correspond au niveau 0 de la valeur de votre turbo. Elle agira comme un stop. Si cette barrière est touchée, votre position est clôturée. Ce niveau de désactivation sera garanti, quelles que soient les conditions de marché. Grâce à cette sécurité, votre perte maximum ne pourra jamais excéder le montant payé pour votre position. Le nombre de barrières de désactivation disponibles évolue constamment. Dès qu'un Turbo 24 atteint son knockout, l'émetteur en crée un nouveau. Vous accédez ainsi toujours à un large choix de barrières de désactivation, quelles que soient les conditions de marché. Pour la hausse, vous allez choisir un turbo long ayant une barrière de désactivation sous le prix actuel du sous-jacent. Plusieurs niveaux de barrières de désactivation vous seront proposés. Gardez en tête que plus vous choisissez un niveau proche du cours du sous-jacent, plus l'effet de levier sera important et le risque de désactivation rapide. Pour la baisse, vous choisissez un turbo short ayant une barrière de désactivation au-dessus du sous-jacent. Là aussi, plusieurs niveaux seront à votre disposition. Il est important de connaître et de suivre la valorisation et l'évolution du sous-jacent sur lequel vous avez pris position en Turbo 24. D'abord, contrairement au marché des turbos classiques, le Turbo 24 permet de prendre position quand vous le souhaitez, 24 heures sur 24, 5 jours sur 7. Cela vous permet d'être réactif sur les marchés, même la nuit. Vous gardez ainsi la maîtrise de vos investissements. Notez que la désactivation est déclenchée uniquement pendant les heures de cotation du sous-jacent, ce qui permet par exemple d'être à l'abri d'une désactivation nocturne sur un mouvement erratique de marché pour un sous-jacent cotant de 9h à 17h30, comme le CAC 40. Si à la réouverture du marché le turbo continue de coter, vous conservez votre position. A l'inverse, votre position est désactivée de façon définitive. La négociation sur les Turbo 24 est exempte de frais à l'achat comme à la vente. Le Turbo 24 n'a pas d'échéance, cela implique un ajustement quotidien de son niveau de barrière. Cet ajustement est calculé sur une base de taux d'intérêt. Enfin, tous les Turbo 24 cotent en euros et vous évitent ainsi tout risque de change lorsque vous intervenez sur des marchés cotant dans d'autres devises. Pour plus d'informations, rendez-vous sur ig.com.